Bienvenue à vous tous. Ça fait un moment que nous attendons religieusement, justement, le début de notre classe. On attendait que tout soit prêt au niveau technique. Et je vois que les moniteurs sont prêts pour les classes. Nous nous réjouissons de ce beau thème que nous allons pouvoir partager ce matin. Merci à vous tous pour votre présence. Merci aux techniciens aussi d'avoir tout préparé. Bienvenue aussi à vous qui êtes derrière votre écran. Que Dieu nous bénisse. Les chantres sont là, à vous la place. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter. C'est une bénédiction de pouvoir être ici ce matin. Et je voulais remercier le Seigneur de m'avoir créé, de nous avoir créé. Il nous a fait à son image pour qu'on puisse jouir d'une vie éternelle, pour qu'on puisse avoir une relation père-fils avec lui. Cette relation, malheureusement, elle a été déformée par le péché. Et je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, il m'a tant aimé. Est-ce que vous l'entendez? Jésus, il nous appelle. Laissons entrer le roi de gloire dans nos cœurs. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend.
Je nous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, toi le Créateur du ciel et de la terre, de ce que tu nous permettes de nous retrouver en ce jour de sabbat, jour spécial que tu as mis à part, afin que nous puissions te louer, t'adorer, en compagnie les uns des autres, mais aussi être avec tes saints anges qui te louent jour et nuit. Merci Seigneur pour cette opportunité et merci parce que tu nous permets d'étudier ta parole, de la comprendre et également de connaître un peu plus de toi. Veuille Seigneur nous diriger par ton esprit durant ce moment afin que nous puissions véritablement recevoir cette révélation de toi que tu as pour nous aujourd'hui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Le thème d'étude aujourd'hui, c'est l'espérance dans l'Ancien Testament. Effectivement, c'est un grand thème de ce trimestre, l'espérance. On dit que c'est comme l'oxygène nécessaire à notre survie. Et nous allons pouvoir voir différents passages dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job, il est plusieurs fois question d'espérance, que ce soit dans la bouche de Job, que ce soit dans la bouche des amis de Job. Et on ne va pas lire le texte qui nous est proposé dans Job 19, mais je vous propose une autre partie du livre de Job où il est aussi fait question d'espérance. Job 14, à partir du verset 7. Job 14, verset 7. C'est Job qui parle. Pour un arbre, il y a une espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit. À l'approche de l'eau, il produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il alors? Les eaux de la mer peuvent se retirer, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas avant que les cieux disparaissent, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir au secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service jusqu'à ce que vienne ma relève. Voilà donc comment Job arrive à exprimer ces alternances entre espérance et désespérance. C'est un peu ce que nous vivons, nous aussi, je pense, à certains moments de nos vies, des alternances entre espoir et désespoir. Je vois que vous êtes nombreux, qu'il y a aussi des visiteurs, me semble-t-il. Soyez tous les bienvenus. Je vais expliquer où se situent les différentes classes. Il y aura une classe ici devant, qu'on appelle la classe des professeurs, avec Roland, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Au fond, une autre classe, et c'est aussi un professeur, c'est Eurico qui sera l'animateur. Ici, il y a deux classes, la classe d'Annie au fond, la classe d'Alison là devant. Les personnes qui... Il y a la classe malgache qui est sur la galerie, ainsi que sur l'estrade, c'est une classe qui est projetée par Internet. Si des personnes veulent suivre ce qui se fait sur l'estrade, il faut vous rapprocher et surtout demander au diacre qui vous donne des écouteurs qui vous permettront de suivre ce qui se fera. Mais sinon, vous pouvez aller dans les différentes classes. Je rappelle également la classe qui se tient dans la salle du conseil de la faculté de théologie avec Richard Lehmann et Jean-Claude Verrecchia. Bonne étude à vous tous. Bonjour à vous les internautes, nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps d'étude avec vous. Vous voyez que je suis bien entouré avec toute une équipe forte et solide et variée. Et pour montrer la variété, je vais demander à chacun de dire d'où il vient. On commence par toi Nabil, tu dis ton nom et d'où tu viens. Merci, bonjour.
Alors, moi c'est Nabil et je viens d'Algérie. Moi c'est Magali, je viens de la Martinique. Voilà, Bernard, je viens donc de France et un peu de Suisse. Bonjour, je m'appelle Rodrigo et je viens du Brésil. Daniela, de l'Allemagne. Bonjour, je suis Neil, je viens de Tahiti. Voilà, donc nous venons de faire le tour du monde, comme vous le voyez, et nous avons au moins une seule espérance, et un seul Père et un seul Dieu, et c'est cela qui nous réunit ce matin. Et je sais que si on vous faisait dire à vous, les internautes, d'où vous venez, là aussi on ferait encore plusieurs fois le tour du monde. Sachez que vous êtes suivis, hein, les internautes, ce que vous dites sur le chat apparaît devant les yeux de Nabil et devant les yeux de Neil, hein, et ils pourront donc intervenir pour que vos contributions puissent aussi, en tout cas certaines, parce qu'on ne peut pas toutes les reprendre, mais que certaines puissent aussi faire partie de nos échanges. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'espérance dans l'Ancien Testament, et la leçon parle surtout de l'espérance par rapport à la mort et après la mort, mais il me semble que ça ne résume pas toutes les espérances des personnages de l'Ancien Testament. Est-ce que vous pensez à d'autres sujets d'espérance chez les personnages de l'Ancien Testament ? Qui veut commencer ? Alors, Nabil. Alors là, j'y commence. Moi, les espérances des personnages de l'Ancien Testament, comme le Nouveau, bien sûr, mais surtout, je pense que l'espérance est rattachée plus aux promesses de Dieu. Et les plus importantes promesses, elles se rapportent notamment à la descendance, le désir d'avoir une descendance, parce que c'est important, comme cette descendance, elle va jouer un grand rôle dans le cadre du plan du salut, et aussi la promesse par rapport à la terre. Mm-hmm. Voilà, parce que Dieu a promis de donner à son peuple une terre, et on a vu aussi la semaine passée quelques patriarches qui voulaient coûte que coûte être enterrés auprès de leur père, même s'ils sont loin, ils ont ce désir de retrouver leur père, de retourner à la terre. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donc, deux thèmes d'espérance. Hein. Effectivement, avoir une terre, avoir une descendance, mais tu nous fais remarquer que pour beaucoup de ces personnages-là, pas tous peut-être, en tout cas, c'était lié à une promesse venant de Dieu. Quelqu'un d'autre veut intervenir, parler des... Je vois le micro de Daniela qui se soulève. Vas-y. Oui, il y a aussi une espérance par rapport au Messie dans l'Ancien Testament. On attend quelqu'un qui restaure tout, qui guérit, qui est ce roi de gloire, qui change un monde brisé. Là, il y a aussi l'espérance des personnages qui attendent quelqu'un. Ok, merci. L'espérance du Messie, le restaurateur dans un monde brisé. Quelqu'un d'autre, hein ? C'est vrai qu'on vous prend un peu les réponses au fur et à mesure, donc il y a moins à répondre. Tu veux dire quelque chose, Rodrigo ? Oui, c'est deux liens-là. Par rapport à c'est l'espace géographique qu'ils attendaient, en terre promise, mais aussi un roi, né, que c'est un Messie, qui va tout bouleverser, il va changer sa vie, la vie de peuple. Mais ils ont attendu quelque chose temporal et dans cette terre. Et dans le Nouveau Testament, on voit une chose plus grande, c'est la terre promise célestiale, né, et un roi, que c'est le Messie, qui n'est pas de ce monde, mais de l'avenir, à cette différence-là d'espérance, sa continuité d'espérance. Mm-hmm, merci. Effectivement, il y a un élargissement des thèmes d'espérance dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il y a une leçon hein, sur l'espérance dans le Nouveau Testament qui nous sera proposée. Alors, nous allons commencer avec des textes, puisqu'on est là pour étudier la Bible. Hein, et je vous propose de commencer par Job. Est-ce que l'un parmi vous veut bien lire Job, même à partir du verset 19 jusqu'au verset 28, chapitre 19, pardon, à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. Merci Magali, oui. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis.
car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Merci beaucoup, Magali. J'ai une pensée pour ceux parmi nous qui désespèrent. Il y en a peut-être parmi vous, vous cinq et moi-même, ou pour vous, internautes, certains parmi vous désespèrent. Et c'est aussi pour vous qu'est cette leçon. Quelles étaient les raisons de désespérer de Job? À un moment donné, il dit « Ayez pitié de moi ». Pourquoi on devrait avoir pitié de Job? Vas-y, Magali. En fait, l'histoire de Job relatée dans la Bible nous rapporte l'histoire d'un homme qui vivait, qui était riche et qui vivait tranquillement et brusquement, en très peu de temps, je dirais en un jour, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, ses serviteurs et ensuite sa santé. Ses amis sont venus et ils étaient là tranquilles au début. Et ils ont commencé à chercher à comprendre et à expliquer ce qui lui arrivait. Donc, leurs paroles n'ont pas toujours été agréables, on va dire. Merci beaucoup. Donc, des pertes, et encore plus des accumulations de pertes en très peu de temps, pertes matérielles, pertes familiales et pertes au niveau de la santé. D'autres raisons pour lesquelles Job pouvait se sentir désespéré. Nabil. Moi, je le lève dans le texte lui-même qu'on a lu tout à l'heure. Au verset 19, il dit « Ceux que j'avais pour confident, mon nom, ont horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. » On voit ici que l'une des raisons de désespoir, on peut voir ici une déception. Ouais. Que Job a été déçu, notamment par rapport au comportement de ses amis. Il attendait de l'aide ou de la compréhension, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ouais, alors souvent déception. Dans la vie, on compte beaucoup sur les autres. On essaye de mettre notre espoir dans l'homme, mais souvent l'homme est tellement limité, on est par moments déçu. Déception sur le soutien humain, quelque chose que l'on peut tout à fait connaître. Vas-y. Oui, j'ai envie d'ajouter que ça crée une solitude atroce. Et dans la souffrance, on est seul finalement. L'être humain est seul parce que personne d'autre ne peut comprendre la souffrance qu'on ressent finalement. Mais là, comme tu as dit, Nabil, le lien avec l'autre est brisé. Cette déception, cette solitude, on se rend compte, on est seul finalement. Et là, il crie à Dieu, il veut que quelqu'un l'entende ou qu'il y ait un livre qui raconte son histoire finalement. Alors on va revenir là-dessus, pourquoi veut-il un livre, Mais donc, on entend des pertes accumulées dans différents domaines, la solitude relationnelle, la solitude dans la souffrance. D'autres raisons encore? Nabil? Les internautes réagissent et nous disent un peu les réponses qui ont été données. La perte de ses enfants, l'intervention de ses amis qui a été pour lui un sujet de désespoir. Un autre parlait de... Il était incompli de ses amis, son épouse également. Par rapport à cette remarque qu'elle va faire, abandonne ton Dieu. Et voilà un peu les raisons qui sont données ici par les internautes. Voilà. Merci à vous les internautes, merci à Nabil. Rodrigo, pour toi, pourquoi est-ce qu'il y aurait des raisons de désespérer dans la situation de Job? Dans la psychologie, qui est ton nom, il y a un triangle, et 5 piliers. Et je pense que Dieu a permis que Satan a touché. Comme si c'était une chaise, il enlève chaque partie des pieds de cette chaise-là. Si tu prends les 4 pieds, elle va tomber. Mm-hmm. Et on espère qu'elle va tomber.
Et c'est Satan, il fait comme ça, il élevait la physiologie, qui enlevait la nourriture, le sommeil, la chose plus basique, après la sécurité, qui c'est le travail, le ressource et la santé, après le sens d'appartenance, ses amis l'abandonnent, et son épouse aussi, né? Et même, et personne ne l'estime. Ou seja, il prend tous les quatre pieds de la chaise, et Satan espère qu'il tombe. Mais sa confiance, ce n'est pas dans les choses dans ce monde. Il s'accroche à Dieu, et c'est pour ça que parfois on entre en désespoir, parce que parfois on attend beaucoup d'enfants, beaucoup d'un mari, beaucoup d'une épouse, beaucoup d'un travail, beaucoup d'un qualquer autre chose, pas en Dieu. Et quand ces choses tombent, on entre en désespoir. Mm-hmm. Ok, merci beaucoup de faire cette image par rapport aux différents pieds. Et on pourrait rajouter aussi le sentiment d'injustice, l'incompréhension spirituelle qui est là aussi. Et puis si on lisait avant ce qu'on a lu, les versets 15, 16, 17, il y en a toute une série. Verset 17, mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenue fétide pour les fils de mes entrailles. Même les gamins me rejettent, etc., etc. Donc, les raisons de désespoir sont nombreuses. Je suis sûr que dans vos vies, si on voulait faire des listes, on pourrait faire des listes aussi. Et pour vous aussi, les internautes, on pourrait faire des listes. On ne va pas s'arrêter là. Bien entendu, ce n'est pas le but de notre étude. C'est savoir comment se fait-il que Job ne soit pas tombé selon ce que Rodrigo vient de nous dire. Tu as levé la main, Nabil. Ouais, juste par rapport à ce sentiment d'injustice, c'est comme c'est un sentiment mitigé, parce qu'on voit dans ce passage, à un moment donné, Job a exprimé, parce qu'on peut, considérer ça comme une déception par rapport à son Dieu, mais on a vu après au verset 25, il dit quelque chose d'autre, c'est-à-dire il met sa confiance en Dieu au début. Alors oui, alors ça on va venir. Ça, voilà. Oui. Tout à fait. Et on va parler de comment il y a cette alternance chez Job entre désespoir et espoir, et sous quelle forme il met son espérance dans son Dieu. Merci, merci Nabil. Avant d'aborder cette question-là quand même, il y a ce souhait évoqué tout à l'heure par Daniela. Oh, si mes propos pouvaient être écrits, gravé dans un livre. L'idée là derrière, c'est dans cette résilience de Job, quels sont les différents outils, vous avez mentionné tous les deux confiance en Dieu, mais on peut aussi creuser là derrière, quels sont les différents outils qu'il utilise face au risque de désespérance. Et entre autres, il dit, si mes propos pouvaient être écrits et gravés dans un livre, pourquoi ? Pourquoi ce désir-là ? Je me tourne vers toi, Daniela. C'est toi qui l'as montré, donc ça t'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, là, on voit un être humain qui est en quête d'être compris. Et il souhaite que son histoire ne soit pas oubliée. Parce que quelquefois, on a l'impression que tout est en vain, finalement, sur cette terre. Et on n'est pas compris. Mais qui peut me comprendre, finalement ? Qui peut me comprendre ? Et il souhaite que son histoire reste gravé dans la mémoire de quelqu'un. Et on peut s'imaginer que voilà, Dieu, il souhaite rencontrer, avoir quelqu'un, un Dieu qui le comprenne et qui n'oublie pas son histoire. Et ça, c'est une beauté dans le texte, parce que nous croyons en un Dieu qui n'oublie pas, qui connaît notre histoire, nos biographies individuelles et qui garde cela dans la mémoire. Rien n'est perdu, en quelque sorte. Donc, même si personne ne me voit, même si je passe incognito partout, il y a un Dieu qui connaît mon histoire et qui la prend en sérieux, qui m'aime et qui n'oublie pas cette histoire. Merci. Donc, être dans le souvenir, gravé dans le souvenir de Dieu, c'est ça que tu veux nous dire, en plus de ce livre. Il y a juste dans le chat un commentaire, une citation, il dit « Job ne se doutait pas que des milliers d'années plus tard, son histoire serait un exemple pour l'humanité. » Ouais. Par rapport à ce désir de graver son expérience, on voit ici, c'est comme un témoignage, c'est comment il est certain de son innocence, de son intégrité, malgré l'incompréhension, malgré les circonstances qui sont quand même contraires.
Oui, et donc on voit cette nécessité dans notre désespoir qu'il y ait un sens qui sorte, hein, et qu'il puisse y avoir un enseignement. Magali. Alors justement par rapport à ce texte où il exprime le fait qu'il aurait aimé que son histoire soit écrite, ça m'a interpellée quand je l'ai lu parce que je me suis dit, mais en fait, il n'a pas su que finalement son histoire a été écrite. Et pour rejoindre un peu Daniela, qui disait qu'il y a un Dieu qui se soucie de nous, Dieu a inspiré quelqu'un d'autre à écrire son histoire. Donc en fait, ça nous montre aussi que on n'est pas seul, même si des fois on se croit seul en fait, et que notre histoire peut servir à des gens alors que nous ne le savons même pas. Mm-hmm. Voilà. On n'est pas seul et notre histoire peut servir à des gens. On le voit encore aujourd'hui, hein, de façon répétée. Hier encore, j'avais une de mes patientes qui a eu 30 ans. Il y a un an, elle a perdu son mari. Et il venait, un mois avant le décès de son mari, un bébé était né. Hein. Et dans son processus de deuil, justement, elle m'a expliqué qu'elle a commencé à écrire son histoire, hein, et que ça l'a aidé dans son processus de deuil. Alors d'abord, Nil, je crois. Non, alors Nabil. Juste par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure au facteur de la résilience, je me pose la question, est-ce que ce désir d'écrire son histoire ou de donner un sens à sa souffrance n'est pas en lui un facteur de résilience. Il veut que donner un sens à sa souffrance. Oui, tout à fait. Effectivement, donner du sens. Oui. Oui, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent pour s'autothérapie, pour une autothérapie, hein, ça existe, hein, même. Ouais. C'est-à-dire on écrit pour mieux comprendre sa propre histoire ou la vie ou la souffrance ou cette irrationalité du mal face à laquelle on se révolte aussi. Donc on écrit. Hein, et le fait d'écrire, ça permet de processer ce qu'on vit finalement aussi. Jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Alors, effectivement, il y a cet élément humain. Là, il y a, Dieu n'en rentre pas en ligne de compte. Là. Par contre, Nabil, tu as cité le verset 25. Hein. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Alors, il y a plusieurs éléments là à creuser. D'abord, ce mot « rédempteur », est-ce que vous pouvez m'expliquer, dans ce contexte de l'Ancien Testament, avec votre connaissance des mots hébreux, qu'est-ce que ça veut dire ce mot « rédempteur » Neil. Juste avant de répondre à la question, il y a une remarque qui a été faite. Pour mieux comprendre en fait cette notion de rédempteur, c'est le verset 22, parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Une remarque a été posée par Shilaman qui dit « Job croit que c'est une punition de Dieu que Dieu l'abandonne. » En fait, il se réfère au verset 22, ouais. Au verset 21 et 22 où il y a les questions justement de cela. « faites-moi grâce, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. » Donc c'est ce que soulignait un peu tout à l'heure Nabil. « Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu ?» N'êtes-vous pas rassasié de ma chair? Donc, quelque part, il se sent, pour lui, il y a cette notion que ce qu'il vit, ça, c'est Dieu qui l'a frappé. Mais en même temps, c'est ça qui a été remarqué. En même temps, il dit que son Rédempteur est vivant et qu'il va se lever et qu'il va le voir. Donc, la question, c'est comment comprendre cela? D'un côté, c'est une punition de Dieu, mais en même temps, il y a cette espérance. On a un Rédempteur. Et c'est la question qui nous est posée par les internautes. C'est une très bonne question et merci à vous les internautes pour cela. Et je vous la retransmets. Hein, ces alternances. Hein, Dieu me punit, mais en même temps, il est mon Rédempteur. Alors, donc, il y a deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire Rédempteur? Et comment pouvons-nous alterner entre des moments de confiance et des moments de doute? Juste par rapport... Vas-y, Magali. Il me serait difficile quand même de répondre à cette question, mais j'ai envie de l'imager par rapport à notre vie actuelle. On a des enfants, des fois on les punit pour certaines choses, des fois ils ne comprennent pas, des fois ils le trouvent injuste. Nous, on est plus grands, on sait. Mais pourtant, dès qu'ils ont quelque chose, ils retournent à nous.
Donc, il y a quand même ce dilemme-là qu'on retrouve mm-hmm. dans notre vie actuelle. Maintenant, au niveau de Dieu, vu qu'on sait que ce n'est pas Dieu qui a puni Job, donc, j'ai envie de dire, c'est une compréhension difficile qu'il a de Dieu, justement, puisqu'il ne comprend pas. Mm-hmm. Donc, il exprime sa compréhension des choses par ses propos, à mon sens. Oui, et donc, comme il ne comprend pas, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des alternances de positionnement vis-à-vis de Dieu. Nabil et après Daniela, je vois. Moi, il y a lieu de comprendre aussi le contexte culturel et religieux de l'époque où on voit que tout vient de Dieu. Dieu est conçu comme, voilà, c'est la divinité, c'est la toute-puissance, la transcendance, et que tout nous vient de lui. Et cette conception persiste même aujourd'hui dans d'autres religions. Et ce qui est étonnant, même avec ce contexte ou cette conception de la divinité, on voit que Job, il y a quand même, il voit Dieu autrement, parce qu'il parle de cette confiance qu'il a en son Dieu malgré l'incompréhension de la souffrance. Mm-hmm. La souffrance reste un mystère. Il croit que ça lui tombe du ciel, mais il a quand même cette confiance en son Dieu qu'à un moment donné, Dieu va le rétablir. Merci. Oh Dieu, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Daniela, explique-nous ce mot rédempteur. Oui, le mot qui est là, c'est Goël. Et le Goël, dans le texte biblique, tout d'abord, c'est quelque chose qui nous concerne en tant qu'être humain, parce que le Goël, c'est le proche parent, ou c'est lui qui rachète une terre qui a été vendue, mais qui appartient à une famille. Donc, il restaure la propriété, mais aussi il continue la famille, il maintient le nom d'une famille. Hein. Si jamais l'homme meurt, la femme, la veuve, elle épouse le frère de l'homme défunt, et après il y a un fils qui peut naître, et donc le Goël, il assure la continuité de la famille, la survie de la famille, mm-hmm. et il maintient le nom, l'identité d'une famille. Et finalement, Dieu est également appelé Goël, rédempteur, c'est lui qui rachète, c'est le proche parent de l'humanité, c'est le père de l'humanité, qui garantit la survie de la famille humaine, la continuation de la famille humaine, et aussi il assure l'identité de chaque représentant de la famille humaine. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui se porte garant, qui mm-hmm. rachète, hein, c'est notre rédempteur. Et c'est pas, je pense, c'est pas anodin que le texte utilise ce terme-là, mm-hmm. hein, parce que Job, il touche à la fin de sa vie finalement, mm-hmm. hein, sur cette terre. Mais là, il y a cette espérance qui est portée par ce terme finalement. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui va au-delà, qui se porte garant pour ma survie et la continuation de mon histoire et de mon identité. Mm-hmm. Merci. Et alors, il est dit que ce Goël, ce rédempteur, est vivant. Est-ce qu'il y avait toujours un Goël pour chaque Israélite? Ou est-ce que des fois, il pouvait arriver des situations où il n'y avait pas de Goël? Est-ce qu'on sait cela? C'est compliqué, hein, parce que vous connaissez les histoires concernant Judas et Tamar. Hein. Là, on a une histoire de Goël. Ou bien Ruth, hein, dans le livre de Ruth, Naomi qui a un proche parent, etc. Là, ça se termine bien. Mais après, dans quel sens ces lois ont été vécues, c'est difficile à dire. Mm-hmm. Hein, parce que les textes datent de l'Antiquité, il y a quand même une distance dans le temps. Mais on a des histoires dans la Bible qui racontent justement qu'il y a un Goël qui rachète ou qui se marie avec une femme. Et après, il y a une continuation de cette famille et une restauration. Donc voilà, on est à la maison, on est rentré à la maison, on peut revivre et mmh. continuer la vie. Ok, donc quand tout s'effondre, il y a un garant qui reste. Hein, c'était un peu l'expérience de Job. Juste, oui, Nabil, si vous le permettez, par rapport à cette notion de Goël, en plus de ce que Daniela avait dit tout à l'heure, il y a aussi un autre aspect ou une autre fonction du Goël, c'est ce qu'on appelle les vengeurs de sang. C'est quand même c'est terrible, c'est pénible, mais le Goël aussi dans l'Ancien Testament, c'est, sauf si Daniela nous apporte autre chose, c'est qu'il y a cette idée d'un vengeur de sang dans le sens d'un justicier.
C'est des situations où s'il y a un meurtre, quelqu'un est tué, notamment injustement, quelqu'un, un proche parent de la famille, il est censé venger son sang. Et il est vu comme injusticier. Et c'est intéressant dans le contexte de Job parce qu'il souffre d'injustice. Et que probablement, en citant ce rédempteur, il a aussi cette confiance qu'à un moment donné, Dieu va lui rendre justice. Ok, bon, merci. C'est pas par effusion de sang, mais par une rédemption. C'est une rédemption. Alors, je ne sais pas si bibliquement on peut dire que c'est le même personnage, le rédempteur et le justicier. Est-ce qu'on sait cela ou c'est pas tout à fait clair? Mais en tout cas, les deux existent. Effectivement, et que Dieu fait justice. C'est intéressant, oui. juste pour compléter, parce que c'est vrai que pour atténuer un peu cette pratique qui est quand même horrible de se venger, qui existe malheureusement dans certaines sociétés jusqu'à présent, dans la Bible, Moïse a instauré ce qu'on appelle les villes de refuge, où quelqu'un qui a tué par accident, tout, il peut quand même fuir dans une ville de refuge. C'est-à-dire c'est une façon de préserver sa vie et qu'il sera libéré complètement à la mort du souverain sacrificateur. Du souverain sacrificateur. Et c'est intéressant que c'est la mort du souverain sacrificateur qu'on peut quand même on peut voir la figure du rédempteur. C'est sa mort qui apporte la solution à la souffrance et à la mort. Ok, et là on voit de nouveau cette notion de rédemption. Alors, quel était l'espoir principal de Job face à ce rédempteur, à ce garant? Quel était son espoir principal? Déjà qu'il soit vivant, comme ça a été souligné. Qu'il soit vivant, ouais. Qu'il soit présent, pas vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Après que ma peau aura été détruite de ma chair, je verrai Dieu. Voilà, alors qu'il se lèvera... et que je le verrai. Pourquoi? En fait, on voit que là, il demande, il n'est pas à crier justice, justement, mais il dit qu'il soit vivant, qu'il se lève et de pouvoir le contempler. Tu veux dire quelque chose par rapport à cela? Oui, reprenant le Goël, le garant, le racheteur, on voit aussi en Lévite 25, 47 à 53, qu'il y a autre façon d'être... Par exemple, esclave, à cause de dette. Si on dette quelqu'un, je peux me vendre comme esclave pour payer cette dette. Et un parent pour le racheter. Et je vois Job dans certaines circonstances. Ele est esclave d'un problème qu'il n'a pas envie, il ne peut pas sortir de là. Il est coincé et il a besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir pour le racheter. Il demande ce racheteur pour payer sa dette. Au moins, même s'il fait confiance à ce racheteur, à ce goyer, et même si ce n'est pas dans le cas de ce monde, mais le pourvir, l'éternité, il fait confiance quand même. Il fait confiance jusqu'au bout. Même si tout le monde le laisse, il fait confiance jusqu'au bout. Oui, donc cette notion de qu'il va payer la dette à notre place, on voit toute la richesse de ce terme-là. Daniela? Et dans le texte de Job 19, on voit ce Dieu personnel finalement. Parce que Job va dire moi-même en personne. Verset 27. 27, exactement. Moi-même en personne, 26 même, je contemplerai Dieu. Donc le je revient, la première personne du singulier, et c'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Donc c'est strictement personnel, c'est vraiment très très intime ici, c'est son espérance, et même si tout s'écroule autour de lui, même si tous les êtres humains s'en vont, il s'accroche à ce Dieu et il dit, dans cette solitude atroce, je ne suis pas seul. Et il y aura un au-delà, une espérance, et c'est personnel. C'est vraiment un Dieu qui est tellement personnel ici, tellement proche, tellement intime. Et c'est beau, c'est beau. Mm-hmm. Parce que dans les moments les plus durs de notre existence, on est quand même seul. Mm-hmm. Et là, dans le livre de Job, on voit un Dieu qui comprend notre souffrance, qui voit notre souffrance, qui sait exactement ce que nous traversons, et qui est là, même s'il reste silencieux.
Il est là. Et rien n'est perdu. C'est très, très beau, cette première personne du singulier, je. Il y a cette répétition, de contempler, Dieu ou de voir Dieu. Neil, il y a une remarque de Germaine qui pose une question. Job se lèvera et verra Dieu. Il y a ici un aperçu de la résurrection. Et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que dans ce texte, à travers ce passage, on peut voir quand même l'idée de résurrection? Alors, la question est posée. D'abord, là, c'est le rédempteur qui se lève. Hein, mais est-ce que là, on peut voir la notion de résurrection dans ce texte? Comment vous le comprenez-vous, Nabil? Moi, je pense qu'on peut voir quand même cette notion de résurrection. Et je la rattache plus à ce désir d'un rétablissement. Parce que, compte tenu de la situation de Job, il était incompris de la part de ses amis, même de la part de ses proches parents, notamment de sa famille, sa femme. Et c'est quand même c'est frustrant de sentir juste. Tu n'as rien fait, mais il y a quand même des contrariétés, il y a des accusations contre toi. Et je pense que cette espérance dans le rédempteur, c'est que pour Job, même si le monde ne le comprenait pas, même si le monde est injuste, son espoir, c'est qu'il y aura un jour où Job il sera devant Dieu, il verra son Dieu, et pour lui, c'est ça, son rétablissement devant Dieu. Mm-hmm. Merci. Voilà. Magali? Alors, la notion de résurrection, je la vois lorsque je compare quelques versets. Déjà au verset 20, « Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. » Au verset 26, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Si on n'a plus de chair, si notre peau est détruite, c'est qu'on n'existe plus. Ouais. Et malgré tout, il sait qu'il verra Dieu. Donc, oui, effectivement. Et son âme se languit d'attente au-dedans de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a cette assurance, qu'il a cette assurance que Dieu est là et qu'il le verra en fait. Oui, c'est vrai que là, on peut tout à fait voir cette notion de résurrection. Merci Magali. Alors, on a pu déjà dégager par rapport à toutes sortes de motifs de désespérance, comment Job surmonte, comment Job garde espoir et peut l'affirmer et le répéter même, on le voit dans ces versets 26-27. Je vous invite à aller dans un autre passage, dans le psaume 49, qui nous est également proposé. Et là, le thème est un petit peu différent. C'est des vraies et fausses espérances. Comment choisir des justes sujets d'espérance? Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire psaume 49, les versets 11-21? Car on le voit, les sages meurent. L'homme stupide et l'abruti disparaissent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération, eux qui avaient donné leur nom à des terres. Mais l'humain qui est en honneur ne dure pas. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voie, leur stupidité et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les gens droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur résidence. Mais Dieu me libérera du séjour des morts, car il me prendra. N'aie pas peur quand un homme s'enrichit, car la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas derrière lui. Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. On te célébrera parce que tu t'es bien traité. Tu iras néanmoins vers la génération de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'humain qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. Merci beaucoup. Alors, pour aller assez vite vers le thème, on voit plusieurs groupes de personnes avec différents espoirs, différentes sources d'espérance, différents sens de vie. Comment vous pourriez expliquer les différents sens de vie qui sont possibles et qui sont présentés là? Alors, vas-y, Neil. Oui.
D'abord, il parle de sage, d'homme stupide. Il va plus loin dans ma version abruti, qui s'est marqué. Mais il y a cette notion que le bonheur, c'est à partir des biens qu'on possède. Hein, quand il dit, ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours. Donc, ils essaient de trouver finalement le bonheur dans des choses un peu matérielles. Et on se rend compte, de toute façon, on se rend bien compte que l'argent ne nous suit pas lorsqu'on. Nos maisons, nos possessions ne nous suivent pas. Et donc, ça montre vraiment un contraste. En quoi on espère ? Est-ce qu'on espère en quelque chose qui va périr ou en quelque chose qui va subsister ? C'est la question qui est posée à travers ce texte. Voilà, donc l'espérance dans les biens matériels ou pas. Daniela ? Ce texte montre aussi que tout être humain espère. Mmh. Ça, c'est, il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui espère. Et ça montre aussi que notre histoire, en tant que famille humaine, commence avec Dieu. Il y a quelque chose en nous, voilà, on espère. Et c'est vrai, comme tu dis, Neil, hein, ça dépend, voilà, où est-ce que je mets ma confiance, où est-ce que je place ma confiance. Parce que finalement, tout le monde est obligé de mettre sa confiance en quelque chose. Mm-hmm. Sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre. Et la grande question est de savoir, mais où est-ce que je place ma confiance ? Et qui est digne de confiance ? Ou quelle chose est digne de confiance ? Voilà, okay, merci. C'est un peu cette grande question. Oui, c'est tout à fait. Merci. Et tu nous renvoies une autre question, finalement. Rodrigo. Quand on prend ces psaumes-là, il y a une série de psaumes des fils de Korah. Il commence au chapitre 42 jusqu'à 49. C'est le dernier. Le 40, juste à 48, les fils de Korah, ces psaumes, c'est le chant qui s'adresse à Dieu. La plupart du verset s'adresse à Dieu. Mais ces 49-là, il s'adresse au peuple. C'est une façon de faire un appel au peuple pour avoir confiance. Et le verset 6 à verset 13 parle de la futilité de la richesse, c'est de la vanité. Né, da richesse, mettre sa confiance, faire un appel, faire confiance à Dieu, c'est le dernier, parce que seulement en lui, vous pouvez avoir la résurrection. Merci, merci de bien nous le mettre dans le contexte. On continue. Magali. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans ce psaume, on nous fait voir que le sort de ceux qui sont sages et ceux qui sont insensés est le même. C'est la mort. Mais il y a un mais, en fait. Il y a un mais qui s'arrête pour certains, mais qui continue pour d'autres, en fait. Et qu'on voit dans Job 28, au verset 28, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parce que souvent, les gens qui sont en honneur, etc., ce sont des gens intelligents qu'on regarde dans le monde. Mais finalement, Dieu ne les appelle pas intelligents, puisque l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Donc, je voulais juste remettre tout à fait. Un peu. Et donc, placer son espérance dans des choses qui ne tiennent pas, ce n'est pas une forme d'intelligence, hein, effectivement. Nabil ? Voilà. Alors, on voit clairement ici qu'il y a quand même deux catégories de personnes. Il y a les méchants ou les insensés et les intelligents. Et chacun, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, les deux, ils ont quand même ce désir d'espérance. Et je dirais même, on doit faire quand même la différence entre espoir et espérance. Alors, c'est plus un espoir dans les choses matérielles, dans les richesses. Et c'est intéressant, il y a quand même dans ce passage, il dit au verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leurs demeures de génération en génération. Eux qui avaient donné leur nom à des terres. On voit quand même le désir d'éternité. Et c'est intéressant, c'est-à-dire donner au-delà de posséder des richesses qui peuvent disparaître. Mais il y a certaines personnes, tellement ils veulent qu'ils soient éternels, même s'ils savent qu'ils vont mourir, ils gravent. On revient à ce que Job, au début, il voulait graver avec un burin. Son témoignage ou son expérience, et c'est des gens qui veulent donner des noms à des terres, et aujourd'hui on peut le comprendre comme les monuments. Il y a certains personnages maintenant, notamment haut placés, ils donnent des noms à des institutions pour qui, même s'ils meurent,
il demeure toujours présent. Voilà. Alors, je disais qu'on doit faire quand même la différence entre l'espoir. Tout ça, c'est un espoir. Mais l'espérance, c'est l'intelligent qui la possède parce que lui, il espère dans le-delà. Il espère en Dieu. C'est-à-dire son espérance, c'est le salut. Ce n'est pas uniquement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Merci Nabil. Hein, donc c'est vrai qu'en plus de ces fausses espérances sur les biens matériels, il y a les fausses espérances par rapport au fait d'avoir un nom, d'avoir une réputation. Et on va venir sur un verset qui est en contre-pied. Mais à toi Nabil, de la part des internautes, on vous écoute aussi. Alors, il y a un exemple concret qu'un des internautes nous a donné, c'est Albert, lorsqu'il parle des pharaons qui ont voulu finalement transcender le temps, ils ont fait des pyramides, ils ont fait toute une croyance par rapport à ça, pour, justement avec cette idée de pouvoir transcender la mort. Et voilà. On vient à l'immortalité. Voilà, cette idée-là, elle était présente déjà, hein. elle existait. Ensuite, il y a une question quand même qui nous est posée, parce que c'est vrai que dans le texte, la question qui nous est posée par Néhémie, c'est par rapport à... Je vais répondre à sa question. Pouvriez-vous m'expliquer la mort? Est-ce qu'elle est une loi intégrée à l'existence de l'humanité? Est-ce que c'est elle qui gère l'univers? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on lit, finalement, c'est que la mort. Mais je crois qu'on a répondu tout à l'heure un peu à la question lorsqu'on lit au verset 16. Hein. Mais Dieu me libérera du séjour des morts car il me prendra. Donc, non, la mort, c'est pas... Ça ne fait pas partie d'une loi. On n'a pas été créé. Il y a une question qu'on avait posée une fois dans une école du sabbat, c'était est-ce qu'on est né pour mourir? Non, on est né pour exister. Voilà. Donc, oui, moi, je suis sensible à cette question et peut-être on pourrait s'y arrêter encore un peu. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que la mort, finalement, est intégrée dans le plan de vie? C'est un peu ça, hein, la question de notre internaute. Que vous voulez. Oui, Magali. Alors, par rapport à cette question, justement, j'ai envie de dire que la mort, c'est une anomalie dans le plan que Dieu avait mis à l'origine. Il a créé l'homme, parce que Dieu c'est vie, en fait. Donc, il a créé l'homme pour vivre. Sauf que l'on a vu dans les leçons précédentes, l'origine du mal, on a vu qu'il y a eu une volonté, entre guillemets, de l'homme de se séparer de la source de la vie. Puis en désobéissant. Et la mort est intervenue par rapport à ça. Nous qui vivons dans ce monde qui n'est plus le monde parfait, la mort est intégrée, entre guillemets, à notre vie, puisqu'on ne connaît que ça. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Et Dieu veut restaurer, on parlait de rédempteur, de racheteur tout à l'heure, il veut restaurer le plan originel qui est de nous permettre de vivre éternellement. Merci. Et j'invite effectivement la personne qui se pose cette question, qui est une question légitime, de persévérer dans l'étude de ce trimestre qui permet de voir tout le sens justement de la mort et de l'espérance. Juste, Bernard. Et j'aurais voulu qu'on avance, excusez-moi Nabil, verset 16, psaume 49, verset 16. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset-là. « Dieu libérera mon âme » du séjour des morts, car il me prendra. Il y a un mais même. Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce verset-là, hein? Nabil, c'était par rapport à ça ou je te frustre un peu? Oui, je voulais juste par rapport à la mort. Effectivement, c'est-à-dire tellement la mort est présente aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une réalité. On la vit chaque jour, on la côtoie. Au point où certains la considèrent comme une loi naturelle. Certains disent que voilà, la mort, c'est naturel. Je pense que, comme Magali l'a dit tout à l'heure, la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais c'est un intrus. Et que certaines théories, certaines religions véhiculent cette idée que la mort est naturelle, notamment la théorie de l'évolution, qui voit qu'il y a un processus et la mort est nécessaire, même pour l'évolution. Même pour le progrès, on doit passer par la mort. Or, c'est pas la vision biblique. Merci. Alors, effectivement, face à cette notion d'une autre espérance biblique, le verset 16 vient en contre-pied, en opposition par rapport à tout ce qu'on a dit. Hein, l'espoir dans les richesses, l'espoir dans le fait d'avoir un nom. Et donc,
Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à cela, Daniela? Le verbe libérer me frappe ici. Donc, face à la mort, on a besoin de quelqu'un qui libère de la mort. Donc, cette libération, et ça vient de l'extérieur de l'humanité. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est plus fort que la mort, qui a remporté la victoire sur la mort, qui peut libérer, qui peut tirer du séjour des morts, finalement. Ça me renvoie un peu aussi à l'humilité. On est tous fragiles, hein, et on a besoin de quelqu'un qui libère, hein, libération face à la mort. La mort nous révolte jusqu'à l'heure actuelle. On ne s'est pas habitué à la mort. Elle fait partie de notre existence. Exactement, on se révolte, hein, on ne veut pas mourir. Et là, il y a quelqu'un qui libère mon âme du séjour des morts. Merci. Alors, puisqu'on parle de ce quelqu'un qui libère, on va vers notre dernier texte. Daniel 12, trois versets bien connus, très riches. Daniel 12, versets 1 à 3. Si l'un d'entre vous veut bien le lire, Daniel 12, 1 à 3. On va parler encore de cette libération, de ce libérateur. Qui veut bien le lire? En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une obubureur éternelle. Ceux qui auront eu de discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours à jamais. Merci beaucoup. On dit souvent que c'est le passage de l'Ancien Testament le plus clair sur la résurrection. Je ne sais pas si c'est le cas, il y en a certainement d'autres. Hein, mais d'abord, qu'est-ce qui nous est dit sur justement ce libérateur, sur la façon dont cette résurrection peut venir? Vas-y, Rodrigo. On voit, on progresse dans la connaissance de la biblique. Je peux prendre l'autre verset, c'est Proverbe 4, 18, qui parle « Le sentier des justes, c'est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu de la journée, du jour. » Tu vois que au début, on commence à parler sur la résurrection de Job, la résurrection dans le livre de Psaume. Nous avons vu bien clair, dans le livre de Psaume, il prend même les mots de Genèse qu'on a étudié déjà sur Nefesh. Il reprend ces mots-là et reprend les mots aussi prendre, qui c'est le mot lakar, né, en hébreu, qui on peut faire référence aussi à Enoch, qui a été pris par Dieu, qui prend ces mêmes mots lakar, né, avec son corps. Il est monté au ciel et Élie aussi. Et ici, on voit dans Daniel un progrès. Maintenant, n'est pas individuellement, mais c'est un groupe. Il parle d'un groupe qui va, il partage un groupe qui ne pas va ressusciter et un groupe qui va ressusciter. C'est un progrès. Effectivement. On élargit petit à petit notre horizon là. Oui. C'est l'un des deux textes ou trois textes où il y a question de résurrection où plusieurs vont ressusciter. Parce que la plupart du temps, on entend parler. Il y en a c'est très rare dans l'Ancien Testament, mais il y a des résurrections individuelles. Mais là, c'est assez clair que c'est une multitude qui dort, là, il y a vraiment une idée de résurrection globale. C'est l'un des seuls textes ouais, qui a merci, pris cette idée. Merci beaucoup. Alors, Magali. En fait, tu parlais des caractéristiques de ce chef. Je vois deux choses. Je vois Michaël qui se lève et Michaël qui est le défenseur des enfants de son peuple. Donc, en fait, je vois quelque chose de présent mais de futur en même temps. Il est présent parce que ses enfants ont besoin de défense. Ses enfants, c'est ceux qui l'ont accepté, en fait. Ils ont besoin de défense tout le temps. On parlait de Job qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et souvent, dans la vie, nous sommes confrontés à des situations incompréhensibles. Et il est là.
mais aussi il se lèvera pour nous ressusciter. On sait juste ce que je voulais dire. Voilà, et on retrouve donc le même mot « lever » qu'on avait avec Job. Hein, le Goël, le rédempteur, va se lever. Et là, Michaël qui se lève. Daniela, et après Nabil, s'il veut bien. C'est vrai, le texte dit que Michel, ou le grand prince, ou le grand chef, il se tient debout pour son peuple. Donc, il y a quelqu'un qui garantit la survie de son peuple aussi. Et à la fin du chapitre, c'est Daniel qui est censé se reposer, mais après, le texte dit, il se lèvera pour son héritage. Donc, il y a quelque chose. Il se tient debout pour son héritage. Et parce qu'il y a quelqu'un qui se tient debout pour nous, on peut se tenir debout pour recevoir un héritage aussi. C'est beau dans ce texte-là. Merci. Donc, il y a un au-delà. Entre le verset 1 et le verset 13 hein, du chapitre 12, on voit ces jeux-là au sujet de la position. Nabil. Moi, juste pas. Ce passage annonce quand même un temps. Il parle d'un temps, un temps de la fin, caractérisé par une affliction terrible, des souffrances, et que c'est que ce prince qui peut mettre fin à ce temps d'épreuve. Et que même ceux qui sont morts, soit une mort par persécution ou autre, il y a l'annonce, la promesse d'une résurrection parce qu'ils vont se relever. Et c'est intéressant, le dernier verset, au verset 13, il dit, toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin du temps. Il y a quand même cette idée aussi de relèvement, mais comme on l'a vu dans la semaine passée, que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'immortalité de l'âme, mais que celui qui meurt, il se repose et que la récompense finale, elle viendra à la fin, et aussi, je pense qu'on fait référence à la résurrection finale. Mm-hmm. Voilà, lorsqu'il y aura une résurrection finale, des justes et des injustes, chacun va recevoir son héritage. Merci. Et alors, on arrive au bout de notre séance. Magali ? Ce que je voudrais faire remarquer, qui m'a touchée au verset 13, on dit, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » De même qu'au premier verset, on dit qu'il est le défenseur des enfants de détresse. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. J'ai envie de dire que on sent quelque chose de terrible qui va arriver. Mais en même temps, c'est comme si Dieu nous invitait à la paix. La paix, pourquoi ? Parce qu'on a un Rédempteur qui est debout et qui va se lever. Et même si la mort doit intervenir, en fait, la mort n'est qu'un repos, en fait. Juste un repos pour pouvoir se lever plus tard. Et je trouve que c'est quand même beau parce que des fois, on vit des choses vraiment terribles. Et le fait de rester accroché à Dieu, on peut dire... En Dieu, je peux avoir la paix dans les difficultés maintenant. Et aussi, même si je meurs, je peux me reposer parce qu'il va me lever, en fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'était le mot de la fin. Hein, nous avons pu beaucoup partager. C'était un plaisir vraiment de vous écouter. Et j'ai été enrichi. Et merci aussi à vous, les internautes, pour vos interventions, vos commentaires, votre présence. Que Dieu vous soutienne dans les défis de votre quotidien. Je vous rappelle qu'à 17h, vous pouvez encore nous rejoindre sur Zoom. Le numéro s'affiche à l'écran pour que nous puissions poursuivre les échanges autour de ce thème-là. Bon sabbat à vous tous. À tous pouvoir écouter le flash missionnaire. L'église adventiste du 7e jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises. À
la fin des années 1800, des implanteurs d'églises, y compris des équipes d'époux telles que Elbert et Ellen Lane, ont commencé à implanter une œuvre nouvelle dans les États de l'Est de l'Amérique du Nord. Entre 1896 et 1905, Madame Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'État de New York. Cela n'a pas été facile. Il y a 100 ans, en 1922, l'église adventiste a implanté 75 nouvelles églises. L'an dernier, il s'en est implanté près de 2500. En 1922, cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église. L'an dernier, cela a pris 3h30. Aujourd'hui, l'église adventiste du 7e jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants. Implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer. Ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale. Ils s'emparent de l'évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions. Quand c'est possible, ils travaillent au sein de leur propre peuple. Ils en connaissent la langue, la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère. Ne recevant qu'un petit salaire, ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle. Soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises, des centres de la mission globale se sont créés, qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions. De vastes groupes que l'Église adventiste n'a pas encore atteints. Aujourd'hui, le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias. Mais doucement et sans bruit, ils font leur travail. Ils trouvent des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible, compréhensible, attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents. Nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale, pour les autres implanteurs d'églises, et pour les directeurs des centres de la mission globale. Priez pour ces ouvriers dévoués, affrontant les plus grands défis de la mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'offrande annuelle faite en sacrifice aide la mission globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes, et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde. Vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église. Écrivez simplement « Offrande annuelle » sur l'enveloppe de dîme. Nous invitons les diacres à passer dans les rangs pour les offrandes. L'école du sabbat arrive à sa fin pour aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que nous pouvons être réunis autour d'une même foi, d'une même espérance. Et nous t'apportons nos sentiments d'injustice, nos sentiments d'incompréhension, les pertes, les deuils. Merci parce que dans toutes ces désillusions, tu es là, ta présence est sûre et que dans la solitude de la souffrance, tu es là et tu sauras la remplir de ta présence même si on ne peut pas expliquer pourquoi nous en sommes là. Seigneur, je te demande de bénir chaque internaute, de bénir chaque personne présente aujourd'hui. Prépare aussi le moment de culte afin que ton esprit nous attire encore à toi. Au nom de Jésus, amen.
Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française. La porte de la grâce. Ceux qui s'opposent le plus à la grâce sont ceux qui pensent en avoir le moins besoin, qui croient allègrement que Jésus a une façon supérieure de les sauver. Aucun profond repentir, mouillé de larmes, ne viendra souiller leur histoire. Ils s'imaginent que la droiture sera une récompense obtenue le jour d'une future remise de diplôme. Mais il n'y a qu'un seul chemin vers le royaume, et il passe par la porte de la grâce. Aucune bonté antérieure ne nous permet d'entrer par une porte plus grande et privée. Aucune trace de renoncement ne nous permet de marcher à l'écart de ceux qui se sont vautrés dans la boue. La porte est étroite afin d'exclure tous les individus remplis d'autosatisfaction. Soit nous sommes sauvés par le sang de Jésus, soit nous ne sommes pas sauvés du tout. Alors, rejoignez la file d'attente où tous doivent se rencontrer. Marchez main dans la main avec tous ceux qui sont dans le besoin. Et restez dans la grâce. Bon sabbat à tous. Donc je suis cette semaine le responsable pour le groupe de prière. Vous savez, chaque semaine, il y a un groupe de prière où on prie pour deux familles chaque sabbat. Pour cette semaine, nous allons prier pour la famille Kamazewski, Martin et Katia, ainsi que pour la famille de Hosanna et Aimé Rindiachimioch. Et je me tiens également à votre disposition avec mon épouse pendant le culte ou à la fin du culte pour toutes, si vous avez besoin donc, de prière. C'est le but du groupe de prière. Nous sommes là à votre disposition. Donc chaque semaine, il y a une équipe différente. Donc, je vous demande de vous lever. On va prier pour ces deux familles. Merci. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que tu étais avec nous durant toute cette semaine et tu es encore avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui entend et tu es un Dieu aussi qui répond à nos prières. Mon Père, je te prie Seigneur pour tous les membres de cette église Seigneur et les visiteurs qui sont là, que tu puisses les accompagner, que tu puisses être avec eux dans leur douleur, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font Seigneur. J'aimerais te prier spécialement pour les familles Kamazewski, Martin et Katia, également pour la famille Hosanna et Aimé Rindiachimioch, que tu puisses les accompagner spécialement, Seigneur, durant cette semaine, que tu puisses les aider. S'ils ont besoin, Seigneur, de ton aide, que tu puisses les encourager aussi, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur, accompagne-les. C'est ma prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir.
Bonjour à tous et bienvenue. J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'église ce matin, à la fois vous qui êtes présents et aussi vous qui nous suivez sur Internet. J'aimerais souhaiter une bienvenue particulière au président de la mission adventiste de Polynésie française, Roger Tetuanui, je m'excuse pour la prononciation, et le responsable aussi de la communication aux missions, à la mission toujours Polynésie française, Daryl Doom. Donc bienvenue. Et j'aimerais souhaiter aussi une cordiale bienvenue à Gérard Perroumal avec un groupe, je pense, de l'église de Pierrefitte. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes aux alentours de Paris. Donc bienvenue, un bon sabbat parmi nous et que le Seigneur vous bénisse durant ces moments et que vous puissiez être enrichis par ces temps que nous vivrons ensemble. Voilà, je vais. Je fais celle-ci ou... Bonjour à tous et bienvenue encore. Cet après-midi, nous nous retrouverons à 15h pour une assemblée administrative ici à la chapelle où nous parlerons des projets de l'Église, projet 2022-2023 et notamment celui qui concerne bien l'agrandissement, l'aménagement de notre chapelle. Je vous rappelle aussi que après cela, il y aura une école de sabbat sur Zoom. Sur le bulletin d'annonce, vous avez le mot de passe qui vous permettra de vous connecter, de pouvoir participer en grand nombre à cette école du sabbat. Mercredi 26 octobre, dans la salle Tison, il y aura une réunion de prière avec l'étude du chapitre 4 du livre « Le meilleur chemin ». Nous vous attendons nombreux pour cette réunion. Et nous unirons aussi nos prières cette semaine pour un certain nombre de personnes. Alors, il s'agit de Martin et Katia Kamazeski et pour la famille d'Ozana et Aimé Randriyasthimioatra. Voilà, bien, nous allons maintenant écouter une vidéo qui a été faite pour cette semaine spéciale qui va démarrer sabbat prochain. Vous avez reçu une invitation dans le bulletin d'annonce avec Maïsa Ribeiro, une semaine d'engagement qui s'appelle « Me voici, envoie-moi ». Et je demande à la technique si elle peut bien nous passer la vidéo qui va avec. Merci. Voici Seigneur pour faire ta volonté, je t'étends mon cœur et toutes mes pensées. Mais voici Seigneur pour faire ta volonté, j'abandonne ma vie et t'offre mon âme.
Bien, Église de Collonges, bonjour. Nous sommes heureux de vous parler effectivement de cet événement particulier qui va avoir lieu ici, dans cette église, avec Maïsa Ribeiro. Et Maïsa, elle vient depuis le Brésil pour nous, parce qu'une église doit être une église vivante, une église qui n'œuvre pas les uns pour les autres, c'est ce qu'on appelle une église morte. Et nous ne voulons pas d'une église morte, nous voulons une église vivante. Alors Maïsa sera là du 29 octobre, c'est-à-dire à partir de sabbat prochain, jusqu'au 5 novembre, en venant également tous les soirs. Et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse s'engager à rendre cette église vraiment vivante. Alors, nous aurons des réflexions pour redécouvrir la parole de Dieu et le sens de notre mission, les uns envers les autres, comment changer nos vies et nous préparer pour le retour et la rencontre glorieuse avec Jésus. Voilà, tous sont invités. Et aussi, vous pouvez nous aider à diffuser cet événement. Si vous avez cette petite flyer-là, et si vous avez des autres frères et sœurs à inviter, n'hésitez pas, nous avons des visiteurs aujourd'hui. Si vous pouvez nous aider, cette programmation sera sur l'Internet, en direct, n'est-ce pas, pasteur? Est disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, il y a plusieurs façons de participer. Donc, si vous pouvez nous aider, nous voulons voir cette maison remplie. Que Dieu nous aide dans cette tâche. Et que l'Éternel vous bénisse. Je vous invite à adorer notre Dieu. Je vous demande de vous mettre debout. Et j'ai une question pour vous ce matin. Pouvons-nous adorer quand on pense à quelque chose à l'extérieur? Pouvons-nous être présents et en même temps
physiquement ou mentalement à l'extérieur. Nous ne pouvons pas faire ça. Jean 83 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là ces adorateurs que le Père demande. Pour notre louange ce matin, je vous invite vraiment voilà, à prendre votre cœur, votre mental et à partager ce moment les uns avec les autres, mais surtout avec Dieu. Continuer dans l'adoration et invoquer le Seigneur. J'espère, j'ai le souhait que chacun d'entre nous ce matin est venu en remettant déjà sa vie à Dieu, en l'accueillant, et que c'est la somme de tout ce que nous avons vécu ce matin déjà qui se retrouve ici et nous adorons tous ensemble. Je voudrais vous laisser ces paroles, qu'elles puissent résonner dans vos cœurs pour nous préparer, pour que chacun se prépare à louer, à entendre ce que John Grass aura à nous dire, ce que le Seigneur aura à nous dire à travers chacun des intervenants ici. Psaume 138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel
est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur ta colère, sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur, il agira en ta faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Tu as fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Tu es juste et véritable. Tu es Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Roi éternel. Tu as été mon secours et à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Sous tes ailes, j'aurai un refuge. Abrite-moi. Thank you.
n'êtes jamais seul, car l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. L'Éternel est pour moi et je ne crains rien avec lui. J'invite chacun à se mettre dans la position qui lui convient pour ce temps de prière devant notre Seigneur. Oui, Seigneur, dans tous ces chants, nous avons chanté la confiance en toi dans les moments parfois difficiles de notre vie. Je voudrais te présenter, Seigneur, toutes les personnes qui sont présentes ici, celles qui nous suivent à l'écran, afin que tu puisses, Seigneur, si elles sont en difficulté, intervenir dans leur vie, les soulager, les relever, les encourager, étendre ta main, Seigneur, guérissante, apaisante sur eux, afin qu'ils puissent lever les yeux vers toi en toute confiance, en sachant que tu es un Père aimant qui les accompagne. Je voudrais te prier aussi, Seigneur, pour tous ces pays qui sont dans la souffrance à cause de la guerre, de la famine. Et nous voulons te demander là aussi, Seigneur, d'aider ces personnes afin qu'elles gardent confiance en toi. Donne-nous à nous aussi avec nos moyens de les aider, de les soutenir, de les encourager. Je voudrais te demander aussi de nous préparer tout spécialement à ce temps d'écoute de ta parole. Permets que nous puissions être touchés par ce qui nous sera dit et que cela puisse transformer nos vies, nous aider à vivre comme toi tu le souhaites. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te demande toutes ces grâces. Amen.
Je vous laisse arriver tous. Comment est-ce que vous allez? Ça y est, tout le monde est là? On attend encore un peu? Avant de commencer, les enfants, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est qu'on va dire bonjour à nos amis qui nous ont envoyé des dessins cette semaine. On va leur faire un gros coucou. C'est qui a envoyé ce dessin, les enfants? C'est Tamar. Un gros coucou à Tamar. Coucou Tamar, si tu nous regardes. Merci pour ton dessin. Un hourra pour Tamar. Les enfants, tout le monde ensemble, hourra! Un hourra pour Tamar. Hourra! Super. Est-ce qu'on a un autre dessin? C'est qui l'a envoyé? C'est Lina, c'est ça? Leïna. Un coucou pour Leïna? Coucou Leïna! Coucou si tu nous regardes. Un hourra pour Leïna? Tout le monde ensemble? On va faire vraiment tous en même temps. À trois. Un, deux, trois. Hourra! Super! Maintenant, on passe à notre histoire. On a fini les hurrahs. Les enfants, je vais vous parler aujourd'hui de liberté. Qui sait ce que ça veut dire, la liberté? Oh là 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 là. Attends. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Comme ça, on fait passer. C'est bon? Super. Vous vous faites passer, les enfants. C'est quoi la liberté? C'est quand on est libre. Ça ne me dit pas grand-chose, hein, moi. Ça ne me dit pas grand-chose. Encore. C'est quand on est tout seul. Je ne suis pas trop d'accord non plus. C'est quoi la liberté? Ah là là, faut faire venir le micro plus devant. C'est quoi la liberté? C'est quand on est libre. Ah ben dis donc, hein. C'est quand on peut faire ce qu'on veut. Ah, c'est déjà mieux. Quelqu'un d'autre? C'est quand par exemple quand tu dois travailler, bah on te laisse le choix de pouvoir travailler ou si tu veux ou si tu veux pas. D'accord, magnifique, exactement. Tiens, garde le micro comme ça, toi tu passes à ceux de derrière. C'est quoi la liberté pour toi? C'est comme quand on est obligé de faire quelque chose et quand quelqu'un nous dit, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Je suis d'accord avec les deux définitions. Écoutez les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de Giorgio. Mais avant de commencer l'histoire de Giorgio, on a la personne qui est responsable de la liberté religieuse avec nous. Et nous voulons lui faire un gros coucou. Tout à l'heure, c'est lui qui prendra la parole pour la prédication. John Kras. Un coucou à John Kras. Voilà, il est responsable de la liberté religieuse. Maintenant, on y va pour mon histoire. Je vais vous parler de Giorgio. Vous écoutez, les enfants? Giorgio, c'est un petit garçon qui allait à l'école le samedi. Qui va à l'école le samedi? Qui? Tu vas à l'école le samedi? Est-ce qu'avant, tu y allais? Est-ce qu'il y a un enfant qui allait à l'école le samedi avant? Aucun. Eh bien, vous en avez de la chance. Vous en avez de la chance. Eh bien, Giorgio, lui, il avait école le samedi. Il avait classe. Et Giorgio a dit à sa maîtresse un jour, « Maîtresse, je ne pourrai pas venir à l'école le samedi. » Alors la maîtresse qui le regarde bizarrement, qui lui dit, « Pourquoi ? Parce que moi, le samedi, je fais des mathématiques, je fais du français, il y aura plein d'exercices, donc tu vas faire comment ?» Alors Giorgio a dit, je ne sais pas. Et puis, la maîtresse n'était pas très contente. Et tous les samedis, Giorgio n'allait pas à l'école.
Et la maîtresse n'aimait pas trop ce que Giorgio faisait parce qu'il ratait les exercices. Et puis un jour, un lundi matin, la maîtresse avait donné des exercices de maths. Qu'est-ce que la maîtresse avait donné comme exercice? Des exercices de maths. Exact, vous me suivez. Exactement, de mathématiques, je raccourcis tout. Alors du coup, elle interroge un enfant, une petite fille. Alors elle lui dit, tu viens faire notre premier exercice. La petite fille, elle vient. Elle n'a pas réussi l'exercice. Alors la maîtresse l'aide un petit peu. Deuxième exercice, un autre petit garçon. Il a réussi à moitié. Troisième exercice, l'exercice le plus difficile. Devinez à qui il va demander de le faire. Elle va demander à qui, à votre fille, les enfants? À Giorgio. À Giorgio. Est-ce que Giorgio était en classe samedi? Non. Alors qu'on était le lundi, la maîtresse lui demande de faire l'exercice sur un devoir qu'il n'avait pas. À votre avis, qu'est-ce que Giorgio va faire? Ouh là 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 là. Il va prier? Bon, on va voir si la prière fonctionne quand on ne fait rien. Alors Giorgio, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au tableau, la maîtresse se dit, ah oh ben celui-là, hein, il n'était pas là samedi, je l'attends de pied ferme. Et du coup, Giorgio arrive au tableau, il commence l'exercice, il va jusqu'au bout, et après, une fois qu'il a mis son opération, tout était ok, il attend la réponse de la maîtresse. La maîtresse qui fait, oh! À votre avis, est-ce que Giorgio avait réussi? Comment est-ce possible? Parce que Dieu, il l'a aidé. Oui, mais il faut faire des choses avant. Tu as une idée? Non. Giorgio, à chaque fois qu'il sortait de l'église, le samedi, il n'allait pas en classe. Mais par contre, le dimanche, il allait voir trois copains différents et il prenait les devoirs qui avaient été faits et il s'entraînait à faire les exercices. C'est pour ça que Giorgio avait réussi. Alors la maîtresse, étonnée, lui dit, ah ben, t'avais révisé, toi. En plus, tu as fait l'exercice le plus difficile. Vous savez, les enfants, la maîtresse a toléré que Giorgio puisse ne pas aller à l'école le samedi. Par contre, elle n'avait pas confiance en ce choix. Maintenant qu'elle a vu que Giorgio révisait ses cours, ses exercices et qu'il pouvait être au niveau des autres, qu'est-ce que la maîtresse a fait? Les enfants, qu'est-ce qu'elle a fait, la maîtresse? Elle lui a laissé ne pas aller à l'école. Voilà, et elle l'a fait con? Elle l'a fait con? Confiance. Elle l'a fait con? Confiance. Pourquoi elle l'a fait confiance? Parce qu'il avait réussi. Parce qu'il avait réussi, et pourquoi? Parce que Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé à être sérieux, à être un bon exemple et récupérer ses devoirs et pouvoir s'entraîner à faire ses exercices malgré le fait qu'il n'était pas là. Les enfants, écoutez bien la suite, surtout écoutez bien. Quand on a décidé de prendre la liberté de ne pas aller à l'école le samedi, ça veut dire que si on rate l'école, on a cette liberté de décider, mais on a des devoirs aussi quand on a une liberté. C'est le devoir, comme Giorgio a fait, de respecter la maîtresse en récupérant ses devoirs et en s'entraînant à faire ses exercices. Qu'est-ce que Giorgio a fait? Qui peut répéter pour moi ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Tu ne sais pas et tu veux répéter? Il a révisé les devoirs de lundi. Voilà, voilà. Alors n'oubliez pas, toute liberté est une liberté quand on respecte nos devoirs qu'on a autour de cette liberté. Parce qu'une liberté sans respecter nos devoirs n'est pas une vraie liberté, n'est-ce pas? Amen. Nous allons prier Dieu, les enfants, pour lui dire merci pour une chose spéciale. C'est que chacun des enfants ici présents n'ont pas classe le samedi. Donc, c'est une chance pour vous
parce qu'il y a des enfants qui sont très embêtés parce qu'ils ont classe le samedi. Qui veut remercier Dieu pour cela? Tu veux prier? Allez, on va le faire prier une prochaine fois. Tu veux prier? Oui. Merci Dieu. Les yeux, les enfants. Merci Dieu parce que tu as créé l'école. Merci Dieu parce que tu as créé les animaux. Merci Dieu parce que tu as créé tout l'univers. Que tu puisses nous aider, même ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci beaucoup les enfants pour votre participation. Vous pouvez retourner à vos places. Bonjour à tous, nous allons lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 31, dans la version Louis II. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bonjour à tous. Et merci à Jésus-là et aux enfants pour cette bienvenue. Je dois dire aussi que c'est toujours un grand plaisir pour moi et mon épouse de venir ici à Collonges. Et ce que Jésus-là a raconté ce matin au sujet de la liberté m'a rappelé qu'il y a une vingtaine de jours, ici, nous avions un séminaire organisé par les Nations Unies avec une trentaine d'experts venus d'un peu partout au sujet justement de la liberté religieuse. Vous voyez, ces relations avec les Nations Unies se confirment puisque c'était le troisième séminaire. Donc, c'était un rêve qui devient réalité. En lisant le texte, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, j'ai toujours des images qui défilent dans ma tête. Et je pense que c'est la même chose pour vous, selon l'actualité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je vois des centaines de gens s'amasser dans les couloirs du métro à Kiev. Je vois aussi une maman qui serre son enfant dans ses bras, terrorisé. Je vois aussi des immeubles écroulés. Et puis dans la rue, allongés à même le sol, des corps sans vie. Et l'apôtre Paul qui écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en évoquant l'Ukraine, je me souviens évidemment de cette grande église à Kiev où j'ai prêché, des frères et sœurs, des étudiants à l'université de Kiev à qui j'ai parlé de la liberté.
et puis aussi des experts que nous avions réunis pour un congrès sur la liberté religieuse. Alors je les vois et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont-ils? Et l'apôtre Paul qui écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et un souvenir en produisant un autre, je pense à cet ami missionnaire en Afrique qui était retourné au Brésil pour marier sa fille et qui a vu en quelques secondes sa fille, son gendre, un ami de sa fille, son propre fils, mourir dans une explosion et qui a vu aussi à côté de lui son épouse, tuée par le choc. Je l'ai revu quelque temps après, j'ai parlé avec lui. Est-ce que j'aurais pu lui dire « Aie confiance » Est-ce que j'aurais pu lui citer ces paroles de l'apôtre Paul ? Nous savons du reste, ne t'en fais pas trop, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, ces paroles peuvent être ressenties, reçues comme une provocation et dans certains cas comme une intolérable provocation. Comment peut-on dire une chose pareille ? Comment peut-on dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ? Non ? Non, ce n'est pas vrai. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je ne connaissais pas la vie de l'apôtre Paul, je l'imaginerais derrière un bureau, assis tranquillement, entouré de livres, entouré des écrits des philosophes grecs et stoïciens, et s'inspirer ainsi d'eux. En effet, dans sa lettre à Lucilius, Sénèque écrit, et il répondait à la question « Pourquoi les hommes de bien sont-ils sujets au malheur ?» Et pour lui, la réponse est que toute épreuve est un exercice pour l'homme de bien. Elle perfectionne le sage dans la vérité, elle lui permet de faire ses preuves. On se souviendra aussi de la déclaration de Nietzsche « Ce qui ne me tue pas, me fortifie. » Et puis, plus récemment, du philosophe suisse Alexandre Jolien, racontant son expérience comme handicapé, il écrit « Les épreuves, plus que les parfaites démonstrations d'éminents scientifiques ou de pédagogues engoncés dans leur schéma, les épreuves nous forment. » Ce qui veut dire que dans un sens, on l'admet, les épreuves peuvent être positives. Et même si nous ne sommes pas chrétiens, même si nous ne sommes pas croyants, on peut en déduire que les épreuves ont leur côté positif. Elles participent à notre formation. Winston Churchill était plus circonspect. Et après sa défaite aux élections en 1945, un de ses proches lui dit « Après tout, la défaite, ce pourrait être une bénédiction déguisée. » Et le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale répliqua « Si c'est le cas, alors elle est très très bien déguisée. » Il est vrai que les choses qui paraissent mauvaises, les années passant, peuvent se révéler sinon bonnes, mais souvent utiles. Alors Paul aurait pu s'en tenir là. Nous savons finalement du reste que toute chose concourt au bien des hommes de bien, ou selon une autre traduction, contribue au bien des hommes de bien. Nous avons compris. Inutile d'aller plus loin. Mais non, voyez, l'apôtre n'essaie pas d'ouvrir une discussion. Il ne propose pas un sujet de philosophie pour le bac. Il affirme, il n'y a pas de discussion, il affirme, il n'offre aucune possibilité de réagir. Pour lui, tout contribue, toute chose contribue à notre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu.
Alors je dirais que la thèse est bonne. Elle devrait quand même susciter l'antithèse et la synthèse. Non, Paul affirme. Et son affirmation nous bouscule. Elle nous dérange parfois. Elle peut même nous blesser. Comment en effet recevoir cette affirmation lorsque vous êtes parent d'une petite fille de 12 ans qui vient d'être assassinée? Lorsque vous venez de perdre votre conjoint, lorsque votre vie bascule et que devant vous apparaît le néant, n'y a-t-il pas des limites à la provocation? Si provocation il y a. Paul, le grand apôtre, n'aurait-il pas dû être plus nuancé, moins catégorique? Et pourquoi avoir écrit « toutes choses » Il aurait pu dire « certaines choses » dans certains cas. Toutes choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises. Mais toutes choses éliminent la différence entre le bien et le mal, entre la joie et la souffrance, entre le bonheur et le malheur. Mais alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel est son message? Et pourquoi est-il aussi affirmatif? Nous sommes dans les années 56-57 et l'apôtre se trouve dans la ville de Corinthe et c'est là qu'il écrit sa lettre aux chrétiens de Rome. Une lettre magnifique, une lettre dans laquelle il expose le rôle de Jésus dans l'histoire du salut. C'est, dit-on, son écrit le plus important et avec sa première lettre aux Corinthiens, le plus long, 16 chapitres. Il faut savoir qu'après la mort de l'empereur Claude, l'avènement de Néron, les Juifs qui avaient été expulsés de Rome sont revenus. Et il est possible que dans les églises chrétiennes, certains chrétiens d'origine juive, influencés par l'antisémitisme ambiant, aient souhaité la rupture avec le peuple d'Israël, la rupture avec son histoire. Paul remet les choses en place. En Christ, oui, nous avons la victoire, mais il reste à prendre possession du royaume. Et comme le peuple d'Israël a pris possession de la Canaan, nous sommes en marche vers la Canaan céleste. Et il est intéressant de noter que le verset commence par ces mots « nous savons du reste ». L'affirmation repose sur un savoir. Un savoir à deux dimensions, celle de la connaissance et celle de l'expérience. La connaissance, c'est celle de l'histoire du peuple de Dieu. Il faut s'en référer à cette histoire. Nous continuons cette histoire. Et puis l'expérience, eh bien, c'est l'expérience de l'apôtre qui écrit, son expérience personnelle. Mais c'est aussi une invitation à notre propre expérience, ce que nous avons vécu, à l'expérience de ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent. Pour sa propre expérience, Paul a quelque chose à dire. Il a vécu la souffrance, il a vécu les difficultés, il a vécu les défaites. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 27, il écrit « Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Et il poursuit, une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Et comme si ce n'était pas assez, il ajoute, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Le mot « péril » est utilisé 8 fois. Non, Paul n'est pas un philosophe de salon.
Mais à notre niveau, sur le plan personnel, comment est-ce que nous pourrions ou nous pouvons affirmer que des choses qui nous font souffrir concourent à notre bien? Ce n'est pas facile. Il est vrai que dans certains manuscrits, on peut lire que c'est Dieu le sujet, c'est Dieu qui fait concourir toute chose à notre bien. C'est Dieu qui fait que toute chose qui nous arrive contribue finalement à notre bien. L'apôtre, et là je crois qu'il faut souligner, l'apôtre n'écrit pas que toutes choses sont bonnes. Non. Il n'expose pas un principe à la manière des stoïciens. Toutes choses ne sont pas bonnes, bonnes en soi. Et Dieu, évidemment, n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. Mais Dieu, c'est celui qui intervient, c'est celui qui va faire en sorte que tout ce qui peut arriver va finalement contribuer à notre bien final. Pas à notre bien en cours de route, pas nécessairement, mais à notre bien final. Vous savez, tant que l'histoire n'est pas terminée, on ne peut pas en dégager une leçon. Il faut arriver à la fin, il faut franchir la ligne d'arrivée pour voir comment était la course. Le bonheur éternel, c'est ce qui nous attend. C'est la direction que nous avons prise. Alors, surprenant, c'est quand il écrit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait une sorte de sélection. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas seulement les hommes de bien, comme le pensaient les philosophes. Jésus dit que le soleil se lève sur les méchants comme sur les bons et que la pluie aussi tombe sur les justes comme sur les injustes. Et il en est ainsi de la souffrance, de la maladie, des accidents. Nous ne sommes pas épargnés parce que nous aimons Dieu. Mais si nous aimons Dieu, si nous aimons Dieu, alors notre but est de le retrouver. Notre but est de marcher jusqu'au bout de la route. Et nous savons que durant cette marche, nous aurons à affronter des difficultés, des souffrances. Mais Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu intervient pour que tout, finalement, contribue à notre bien. Et vous savez, en fin de compte, retrouver l'enfant, le père, la mère, l'épouse, l'ami, dans un monde où la maladie et la souffrance ont disparu, n'est-ce pas finalement le plus grand bien? Paul ne fait pas de la philosophie. Il affirme, et il affirme une vérité. Et il s'adresse, non pas à tout le monde, il s'adresse aux chrétiens, à ceux qui aiment Dieu. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils savent qu'ils ont la connaissance que l'histoire du peuple d'Israël est là pour leur enseigner. Ils ont la connaissance que Dieu prend soin d'eux, que Dieu les aime, que Dieu a donné sa vie pour eux, que Dieu est venu en Jésus-Christ, qu'il a souffert, qu'il a connu la douleur, qu'il a été humilié, torturé, crucifié pour notre bien. Ce ne sont pas des paroles gratuites. Alors je vous invite pendant quelques secondes à faire un petit exercice de mémoire. Essayez de vous souvenir des bonnes et des mauvaises choses que vous avez rencontrées. Et pendant quelques secondes, essayez d'évaluer les conséquences qu'elles ont eues sur votre vie, positives, négatives. Avons-nous vu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons vu Dieu intervenir? Pouvons-nous dire que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a laissés seuls dans l'épreuve lorsque tout allait mal?
Paul a-t-il tort d'écrire « Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Vous avez sans doute entendu cette histoire d'un homme qui marche sur une longue plage en compagnie de Jésus. Et évidemment, les deux marchant côte à côte, ils laissent des traces, des doubles traces de pas. Et tout à coup, l'homme s'arrête et il comprend que ces traces de pas sont l'illustration de sa vie. Et il s'aperçoit aussi qu'à certains moments, il n'y a plus deux traces de pas, mais une seule trace de pas. Et là, il se souvient que ces moments correspondent aux moments les plus difficiles de sa vie. Et alors, s'adressant au Sauveur, il lui dit, « Seigneur, tu vois, tu marches avec moi, mais quand j'ai des problèmes, tu marches et on voit les traces, mais quand j'ai eu des problèmes, quand j'ai fait face à tant de difficultés, eh bien, on ne voit plus tes traces. Tu as disparu. Où es-tu ? » Ce n'est pas la question que beaucoup se posent quand tout va mal, qu'on se pose quand tout va mal. « Seigneur, où es-tu ? On ne voit plus tes traces. » Et le Seigneur qui nous aime est mis au banc des accusés. Alors le Seigneur lui répond, « Je ne t'ai pas abandonné. » Et je ne t'abandonnerai jamais, c'est ce qu'il nous dit. Je ne vous abandonnerai jamais car je vous aime. Mais au jour de l'épreuve, au jour de la souffrance, il dit à l'homme, si tu ne vois qu'une trace de pas, c'est parce que à ce moment-là, je te portais dans mes bras. Paul persiste. Il est prisonnier à Rome et il écrit aux chrétiens de Philippe, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, pas des bonnes choses, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. On peut se demander quel bien peut arriver quand vous êtes enfermé dans une prison romaine. Et ses lecteurs, ils le savent, vont se poser la question. Alors, Paul continue et au verset 13, il dit, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens et que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Plus fort encore, au verset 18, il affirme, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire. » Souffrance, gloire. La souffrance, c'est le temps présent. La gloire, c'est ce qui nous attend à la gloire qui sera révélée pour nous. Alors, vous pouvez peut-être penser que tout ça sont des bonnes paroles, mais est-ce que ça a vraiment un effet dans la réalité? Alors je citerai le cas de Bruno Hama. J'ai lu une de ses lettres il y a quelque temps. Bruno Hama est un frère, il est venu étudier en France et durant son séjour, il s'est converti et il a rejoint l'église d'Annecy. Et en 1997, il est reparti dans son pays. Et ses compétences ont fait qu'il a tout de suite réussi à avoir une bonne place. Mais le 16 mars 2012, il a été arrêté et accusé de complicité de meurtre et de trafic de sang humain, comme le fut, et en même temps d'ailleurs, le pasteur Montero. Ce fut bien sûr une affaire montée de toutes pièces sans aucune preuve. Après 2 années de lutte, nous avons réussi à libérer le pasteur Montero, mais Bruno Hama, lui, est resté en prison. Et il a été condamné à vie. Condamné à vie. Et il attend toujours la possibilité de faire un appel. La prison, je l'ai visitée, j'y suis allé 3 fois. J'ai même prêché dans la prison. Une prison surpeuplée, une prison dont les conditions sanitaires sont épouvantables. Et dans une situation comme
celle-là, on peut comprendre. On peut comprendre toute la révolte que certains éprouvent et on peut se poser des questions sur l'affirmation de Paul. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bruno Hama aime Dieu, mais il est toujours en prison, année après année. Et en prison, qu'est-ce qu'il fait ? En prison, il donne des études bibliques et il a même organisé une église. Et tous les deux ans, il conduit une campagne d'évangélisation. Et depuis 2013, plus d'une centaine de personnes, une centaine de prisonniers se sont fait baptiser. Mais le plus surprenant, le plus étonnant, c'est qu'il écrit, et je le cite, « Je remercie le Seigneur qui m'a soutenu dans mes études et dans ma carrière professionnelle. Tout se passait bien jusqu'au jour où tout a été bouleversé et que je ne suis plus rentré à la maison jusqu'à ce jour. » Remercier le Seigneur, oui, pour les études, pour la vie professionnelle, ça je le comprends, mais pour l'injustice, les années de prison, c'est autre chose. Et pourtant, il continue. Mais je suis persuadé que lorsque Dieu permet l'arrêt d'un processus dans notre vie, c'est qu'il a un meilleur plan pour nous. Et il ajoute, ce n'est pas toujours facile, mais je garde confiance en notre merveilleux Seigneur, toujours bon et fidèle. Merveilleux Seigneur. Toujours bon et fidèle. Il est en prison. Dans une prison terrible. Toujours bon et fidèle. Et il continue. Il a extraordinairement, veillé sur moi. En prison, veillé sur moi. Sur ma famille. Sa bienveillance. Et la paix du cœur qu'il me donne. Ah, la paix du cœur qu'il me donne. La paix du cœur, c'est très important, vous savez. La paix du cœur qu'il me donne en sont la preuve. Et il disait aussi, qu'il ajoute dans son écrit, « Et si je vous disais que durant plus de 9 ans et malgré les conditions d'hygiène déplorables, je ne suis jamais tombé malade. Tomber malade dans cette prison, c'est la mort assurée. Me croiriez-vous ? Oui, c'est le miracle quotidien de Dieu dans ma vie. » Et il termine par ces trois mots, « Merci, mon Dieu. » Un exemple pratique. Comment peut-on dire merci à Dieu quand on est injustement enfermé en prison et condamné à la prison à vie? Eh bien, Bruno Hama vit cette expérience et il dit « Merci, merci, mon Dieu ». Il écrit aussi d'ailleurs à propos de ceux qui sont en prison et qui se sont fait baptiser, « L'enfer carcéral reste une énorme opportunité pour certains de s'engager sur la route de la Canaan céleste. » Et comment, alors que je cite cet exemple de Bruno Hama, je pense à un frère qui est atteint d'une maladie incurable et qui a donné son témoignage il y a quelques semaines à l'église de Lausanne. Et il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, cette maladie, ce n'est pas la maladie de quelqu'un d'autre, c'est sa maladie, cette maladie, une maladie incurable, cette maladie est une bénédiction. Et il parlait des opportunités qu'il avait de parler de Dieu à tous ceux qu'il rencontrait, ses amis bien sûr, mais aussi à l'hôpital, les infirmiers, les infirmières, les médecins, à la maison, les enfants, son épouse, les voisins. Cette maladie est une bénédiction. Comment peut-on dire cela? Et bien sûr, il ne s'agit pas pour autant de donner un sens à la souffrance ou de justifier la souffrance. La souffrance porte en soi la signature du mal. Mais ce que veut nous dire l'apôtre, ce que veut nous dire Dieu, c'est que le mal n'aura pas le dernier mot.
L'histoire n'est pas terminée. Il faut aimer Dieu pour survivre au mal. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne lui demandez rien. Vous l'accusez peut-être, mais vous n'attendez rien de lui. Mais si vous aimez Dieu, vous savez qu'il ne vous abandonnera pas. Et c'est l'amour de Dieu qui donnait à Paul une confiance totale dans son avenir. Mais dans toutes ces choses, écrit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour du Seigneur qui fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt à notre bien. Et pour revenir à Paul, sa relation avec Dieu, son amour pour Dieu est si fort qu'il écrit « Car j'ai l'assurance ». Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous savons que Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui nous donne la certitude que ce Dieu qui nous aime veut passionnément notre bien à tous. C'est une promesse. Et cette promesse, nous l'acceptons par la foi. Et si aujourd'hui, elle paraît difficile à comprendre, nous savons qu'un jour, à la fin de l'histoire, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous savons qu'un jour, nous comprendrons cette promesse. Et je voudrais vous laisser, pour être pratique, trois points. Le premier point, chaque jour, remercions Dieu pour son amour inconditionnel qui nous donne confiance en notre avenir. Le deuxième point, souvenons-nous des moments difficiles, de la manière dont le Seigneur a fait sortir le bien de ce qui nous avait paru être un mal. Et enfin, le troisième point, en marche vers le ciel, nous avons la certitude que Dieu fera concourir tout ce qui nous arrive à notre bonheur éternel. Amen. Thank you.
J'aimerais remercier John pour cette méditation qui nous amène, je crois, à une immense reconnaissance envers notre Dieu, qui nous accompagne tous les instants de notre vie, que ce soit dans la paix, mais aussi parfois dans des moments plus troublés. Il est aussi temps maintenant, et je demanderai au diacre de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes qui ont été préparées. Et vous rappelez aussi que nous avons un projet d'église qui est de refaire globalement tout le sous-sol et de l'agrandir. Nous avons lancé une souscription et nous en parlerons bien sûr cet après-midi en réunion administrative. Mais vous dire que nous avons déjà recueilli sur les 150 000 euros que nous souhaitions recueillir 55 000 euros, donc nous sommes à un peu plus du tiers. Et donc c'est une invitation à poursuivre cet effort pour que nous puissions réaliser tout ce que nous aimerions faire pour le bien des jeunes, mais aussi de tous les responsables qui s'occupent des jeunes et de l'Église, bien sûr. Donc je vous invite aussi cet après-midi, à ceux qui peuvent, bien sûr, d'être là à cette réunion administrative, et nous parlerons tout spécialement de ce projet-là, mais aussi, bien sûr, de tous les projets qui vont se dérouler durant cette année 2022-2023 dans notre communauté. Merci. À la prière. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants de cette présence, de cette paix que tu mets au fond de notre cœur. Merci, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Merci de nous secourir. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aussi à nous aider à être fidèles, à continuer à t'aimer, à te servir avec joie, afin que ton nom puisse être glorifié à travers nos vies. Seigneur, nous voulons aussi te présenter ces offrandes de reconnaissance et nous voulons te demander de nous les aider à les utiliser avec sagesse. C'est en Jésus que je demande ces grâces. Amen. Je vous invite à vous mettre debout.
malgré les difficultés, les souffrances, tout ce qu'on puisse passer dans nos vies, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à recevoir la bénédiction telle qu'elle est contenue dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons en paix. Un bon sabbat à tous. Thank you.
Lie, 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 lie